Cette rénovation se révèle encore plus difficile que les précédentes. C'est ici que Nico a quelques mois pour percer les secrets de la reconstruction d'une cellule de camping-car, les mystères de la construction d'une ossature. Nico s'est donné un challenge très haut avec cette destruction et reconstruction de la cellule. Arrivera-t-il à réussir cette rénovation et cet aménagement? Bienvenue dans cette 50e vidéo de Tortucar Tour. Et abonnez-vous et likez la vidéo. Salut à tous, moi c'est Nico et on restaure un camping-car, un J5 de 88, c'est un 6m30 de long, en diesel, 6 places. Donc salut à tous, moi c'est Cécile et on a très envie de découverte, de voyage, de soleil et surtout de chaleur. Et donc non, je n'ai pas été virée des vidéos. On est simplement occupés chacun de notre côté. Mais je suis toujours présente pour lui donner un coup de main quand il a besoin. Bon allez, je vous montre la fin du plaquage de l'intérieur. To get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore. While you're on the open sea. Cannot take this. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Take this anymore.
Notre réflexion sur l'aménagement, parce que ben oui, on n'est pas toujours d'accord et c'est un petit peu quelque chose à s'arracher les cheveux quand même quand on décide de changer l'aménagement initial du camping-car. Voilà, on y fait une marche ou on n'y fait pas une marche? Non, moi je veux pas de marche. Moi je voudrais une marche. Moi j'en veux pas, parce que après c'est désagréable d'avoir plein de marches partout dans un camping-car. Ben mais ça fait un coffre. Ben mais t'as déjà des rangements tout autour. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une autre marche. Bah, ça permet de planter plus facilement dans le lit. Parce qu'il sera si haut que ça le lit. Non. Une utilité. Parce que t'as déjà une marche. Et pour aller dans la salle de bain. Alors qu'il s'explique à cause de ton montage de roues. Mais là, elle s'explique par rapport à quoi? D'être dans la continuité de la salle de bain. Ben oui, mais elle va te déranger au niveau de la cuisine. Bon, on y fait une marche, on y fait pas de marche. Vous en pensez quoi, vous? Le problème, c'est que s'il fait pas sa marche, il serait capable de refaire un autre camping-car juste parce qu'il a pas fait la marche. Bah si, c'est vrai. T'as refait celui-là, tout ça, parce que les soupes de l'autre n'étaient pas assez hautes. Ben ouais. Donc... faut que tu fasses la marche, quoi. Tu vas être frustré si tu la fais pas. Mais c'est désagréable, hein. Ça va faire une hauteur en plus dedans qui est gênante. Bon, on va refaire un camping-car. Même si t'as fait la marche qui sera gênante. Puis non, pas un autre camping-car, c'est bon. Bon, on refait ou on refait pas? On l'a fait la marche ou pas? Et vous, vous êtes d'accord avec moi? Moi, bien sûr. C'est désagréable les marches dans les camping-cars, il faut éviter d'en mettre. Bah oui, ça me permet plus de rangement. Tu vas ranger quoi dans ta marche en quantité? Même en hauteur, tu vas pas avoir grand-chose. D'ailleurs, pour ranger 3 livres, même pas, et encore des petits, hein, tu peux pas mettre en dictionnaire. Oh si, quand même. Ça va. Une paire de bottes. Bah pourquoi les bottes? Ouais, dites tout ça dans les commentaires. Throw your things away tonight, we'll go a different way, you and me. Tell your friends that this might take some time and you'll be back another day. I can see us breaking down the barrier. We cross the stratosphere. Oh yeah. We can go so far, so far away.
Que vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à nous laisser des commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Pour tous vos commentaires bienveillants et sympathiques. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, mettre des petits pouces, ça fait plaisir et motivant. On a un compte Insta pour les infos en live. Pensez à partager nos vidéos. Salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.